Toi alors, Wils du Ruhig bleiben bitte, ich habe jetzt genug. Ça va comme ça, tu es content? Mais qu'est-ce que t'as dit là? Que je ne veux plus que tu m'enquiquines avec tes histoires là. Oui, on en rigole maintenant, mais n'empêche que sans lui, on serait pas là en train de rigoler, parce que tu sais, le chien. Sans l'écouter, on a quand on a risqué sa vie. Angel Bono. Ah, mon frère. Patch, c'est ça, oui, mais cette fois, vous m'aurez plus. Pourquoi? Qui c'est? Bah, c'est un frère. Oui, ça, je vois bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le coup des trois saints, attends, tu vas voir. Elle fait jouer Didier. Oui, bon, d'accord, on joue au 50-50. On mise sur Saint Giovanni. Saint Antoine Père, Saint Giovanni gagne. Qui a gagné? Où est passé Saint Giovanni? Ça me paraît évident. Il est ici. Allez, retourne ta carte, ce coup-ci, c'est toi. Hélas, vous avez perdu. C'est Saint François. Mais c'est écrit Saint Giovanni. Saint François vous bénit, vous remercie, mes pères. Oh, tu parles. Ah non, demain tu viendras pour des prunes. Va te faire voir avec tes faux saints. C'est vrai, ils sont truqués, c'est ça. Ah, où est-ce qu'on en était? Ah oui, quand Gianni nous a sauvés des Allemands. Non, il va recommencer. Mais oui. Non, c'est vrai, Luciana. Quand on a risqué sa vie avec quelqu'un, on lui reste attaché pour l'éternité. Comme si les moments pareils, merci, on ne pouvait jamais les avoir. Excusez-moi, monsieur. Comme si on était toujours unis pour s'entraider à sauver la vie. Parce que le danger... Regardez ces articles de Nice. Oui, je sais bien, je perds toujours un peu le fil quand je m'explique. Mais moi, je me comprends. Je veux dire qu'en fait, ce sont les Gianni Perego qui changeront cette société en une société plus juste. Aujourd'hui est un grand jour. Bois, Luciana, bois, Gianni. Buvons tous, mes amis. Comme tu me plais, Gianni. Je ne te connais que depuis quelques minutes. Et je suis déjà amoureuse de toi, comme ça n'arrive qu'au théâtre, dans les comédies d'amour. Ça peut donc arriver dans la vie, des choses pareilles. Ça peut arriver, Luciana, puisque je ressens la même chose que toi. Mais il ne faut pas, parce que Antonio est mon meilleur ami. Qui l'emportera, l'amitié ou l'amour? Choisirons-nous d'être honnêtes ou d'être heureux? Buvez tous, mes amis. Sa Majesté de l'Admi-Portion offre la tournée. La tournée? Mais c'est pas ma fête, dis donc. Que de l'eau, tu sais, Antonio. Alors, bah, quand même, portons un toast à l'amitié, à une humanité nouvelle, et demain, votez à votre idée. Mais votez surtout pour le Front démocratique et populaire. C'est pas pour faire de la propagande, hein. C'est parce que tout le monde est libre de voter pour qui bon lui semble. Mais demain, votez Garibaldi. Levons tous nos verres au Front démocratique populaire. Buvez aussi, monsieur le sous-chef archiviste. Mais moi, monsieur, je suis un libéral. Eh ben, qu'est-ce que ça fait? Buvez quand même! Et que les demi-portions d'aujourd'hui deviennent des portions entières demain! Oui, bravo. Je lève mon verre à toi, à vous, à tous!